Allez, salut les mecs, salut les bolos et bienvenue sur une petite vidéo rapide. Voilà, je vais aborder 2-3 petits sujets avec vous dans cette vidéo, on va dire, informative. Donc déjà, la première vidéo va concerner Mighty Goose. Voilà, le petit gameplay découverte que j'ai fait, qui, alors a priori, voilà, Mighty Goose, hein, en... bah, ça a tapé dans l'œil de certains d'entre vous. Alors là, c'était un gameplay découverte, j'ai lancé le jeu, j'ai joué tel qu'il était, je ne connaissais pas, j'avais pas d'avis. Le jeu, je l'ai terminé depuis. Les gars, je vais vous casser votre délire. Hein. Franchement, ça vole pas haut. Hein. Ça vole pas haut, c'est plat, on s'emmerde. Vraiment, on s'emmerde. Donc, alors attends, bouge pas, capture écran. Voilà. Là, je suis dans l'onglet communauté de la chaîne, je vous ai fait une petite review. Et cette review, je l'ai mis aussi en commentaire bah, dans la vidéo que j'ai épinglé. Donc, si Mighty Goose t'intéresse et que tu voulais éventuellement passer à un achat, va lire ma review, parce que moi c'est un jeu que je te conseille pas. Voilà, c'est un jeu que je vous conseille pas. Ou alors tu sais, en promo, je sais pas combien il vaut là, mais en promo, t'es bah voilà, si un jour il passe en promo à 5 balles, pourquoi pas, tu vois. Mais au-dessus, enfin, je sais pas, 15-20 balles, ou je sais pas le prix qu'il est aujourd'hui. Non, clairement pas. Alors, sinon, deuxième point que je voulais aborder avec vous dans cette vidéo, il y a un problème de YouTube ces temps-ci, notamment avec les abonnements, ça fait n'importe quoi. Alors, je suis pas, voilà, tu me connais, hein, je suis pas le mec qui dit oui à chaque vidéo, abonne-toi, mets la cloche et tout. Voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut, vous faites ce que vous voulez. Après, il y en a aussi qui me disent, qui sont venus me voir, certains d'entre vous qui me disent oui, nous on regarde les vidéos, par exemple, sur Xbox, sur tablette ou sur téléphone et tout, et on n'a pas forcément notre compte qui est enregistré. Donc voilà ce qui. On regarde les vidéos, mais on n'est pas abonné, tu vois. Donc, tout simplement parce que l'appareil sur lequel vous regardez les vidéos, voilà, bah, vous ne pensez pas à vous abonner, vous vous en foutez. Enfin, il n'y a pas de, voilà, y a pas de problème. D'ailleurs, le pourcentage abonné-non-abonné, il y a 62% donc, d'abonnés qui regardent les vidéos et 32% non. Donc, vous voyez que si les 32% étaient abonnés, on serait à plus de 10 000 aujourd'hui. Donc, justement, là, on n'est pas très loin des 7 000 abonnés. Hein, c'est quand même énorme, exceptionnel. Et voilà, bah, ça fait partie de l'algorithme YouTube, hein. plus t'as d'abonnés, plus t'as de vues, enfin voilà, c'est le cercle vertueux, après plus t'es mis en avant, etc. Et il arrive des fois, il y a des ventres mous dans les abonnements YouTube, mais YouTube qui fait le ménage, parce que alors j'ai l'impression, il y a beaucoup de bots, ou de faux comptes, ou des... Enfin, des comptes inutiles, ou enfin, qui servent à rien sur YouTube, ou qui font chier, qui polluent. En fait, la vie du site. Et donc YouTube, bah, des fois, fait des purges. Et des fois, on se retrouve, on va gagner 10-15 abonnés d'un coup. On va en perdre 15 ou 20 dans la foulée. Enfin, en gros, ça fait les montagnes russes. Ça fait un yo-yo qui est pas normal. En général, ça dure une journée ou deux. Après, ça se stabilise et il n'y a pas de souci. Mais alors, attends, je vais repasser en capture écran. Mais là, je voulais vous en faire part. C'est que depuis... voilà, là, tu vois, on est sur mes données analytiques, hein, de la chaîne. Depuis donc le mois de juin, ouais, 1er juin grosso modo, bah, ça fait n'importe quoi et c'est un comportement qui est pas du tout normal. Là on le voit par exemple le mois de juin, du 1er au 10 juin, j'ai gagné 11 abonnés, ce qui n'arrive jamais, ça n'arrive jamais les enfants, c'est voilà. Là par exemple si je mets le mois de mai j'ai gagné par exemple 168 d'entre vous qui sont abonnés à la chaîne, ça c'est cool, je vous en remercie. Et par exemple, ici, le mois d'avril, 154. Donc on constate, hein, une moyenne de, tu vois là par exemple, 13, 9, 8. Après ça dépend de la sortie des vidéos, ça dépend des vidéos. Voilà, si les sujets, ils sont là, tu vois, moins 1. Ça peut arriver, hein, c'est ce que je te disais, tu vois. Donc ça dépend des sujets, etc., évidemment. Mais on voit quand même que, voilà, ça bouge. Tu vois, il y a de l'activité. Là par exemple, tu vois, là il y a une purge, tu vois, moins 3. Donc ce qui n'arrive jamais, ce que des... Ça se noie dans le flot de la masse, tu vois, ici 18, mais là, le mois de juin, 11, donc tu vois ici 0, 2, 6, 2, moins 3, moins 2, c'est une activité qui est pas du tout normale, et je voulais vous en faire part parce que j'ai été victime de ça en tant que consommateur YouTube. Ça fait... Bah, depuis très longtemps que je suis abonné à la chaîne Gunhead TV, à l'ami Gunhead. Et du coup, dans mes recommandations d'abonnement, hein, quand je mets abonnement
Tu vois, je suis sur ma Xbox, sur le téléphone, il y a le bouton abonnement, et là, du coup, il y a toutes les vidéos bah, de gars auxquels je suis abonné, les nouvelles vidéos qui sortent. Et je voyais plus passer Gunhead. Et je dis, tiens, il a arrêté, ou il fait une pause, ou je sais pas. Et je l'ai vu passer, du coup, dans mes recommandations. Recommandations générales, tu vois. Et je dis, tiens, puis tu sais, il me sort une vidéo, je dis, bah tiens, pourquoi je l'ai pas vu passer? Et donc, je clique dessus, et là, je regarde, je vois, s'abonner. En fait, c'est ça, bah, du coup, j'ai été, sans le vouloir, sans le savoir, j'ai été désabonné de la chaîne de Gunhead. Voilà, donc ça m'est arrivé à moi, et ça arrive à d'autres, et donc toi aussi, ça peut aussi t'arriver, bah, des chaînes auxquelles t'es abonné, bah, du coup, d'être désabonné sans le vouloir. Il y a l'ami Johan aussi, il m'a dit, les notifs, il m'a dit, moi, je suis abonné, à ma chaîne, et évidemment... Et il m'a dit, moi, des fois, il y a une vidéo, t'as sorti il y a 3, 4 jours, 5 jours, et je reçois la notif que maintenant. Voilà. Donc, juste ce que je voulais vous dire, j'en fais appel à vous, hein, je le demande jamais, etc. Mais vérifiez bien, de votre côté, que ce soit pour ma chaîne ou pour la chaîne des potos, parce que j'en ai parlé aussi avec Ozaki, avec Raled, avec Biggie, aussi avec Greg, à Eternal. Et en gros, on a tous à peu près le même problème actuellement. Alors, je sais pas, c'est YouTube qui déconne. Donc bah voilà les gars, donc le message est le suivant, c'est bah vérifiez de votre côté et puis bah viendez vous abonner parce que voilà, enfin moi ça, pour moi c'est que des chiffres tu vois, mais voilà c'est l'algorithme YouTube, c'est comme ça que ça marche, voilà, qu'on le veuille ou non. Et c'est vrai que plus les chiffres gonflent et puis plus après les vidéos, le contenu est mis en avant, et voilà c'est le cercle vertueux. Donc voilà, j'ai dit oui, bah si tout se passe comme prévu, comme d'habitude, comme il est normal qu'on voit, bah c'est, je vais avoir les 7000 abonnés là courant du mois de juin. Là, vu comment que ça patauge. Donc voilà, bah les gars, j'en fais appel à vous. À vous de jouer un petit message d'aide. Ça fera, voilà, de soutien. Voilà, ça sera un grand plaisir. Parce que c'est vrai que voilà, bah, ça fait aussi partie de la motivation. Quand on voit une évolution de la chaîne qui est normale, bah, du coup, ça t'encourage, ça te motive, évidemment. À continuer, donc là voilà, il y a un passage à vide. Il y a un passage à vide qui a priori serait lié à voilà, l'algorithme YouTube. Donc allez-y les gars, on compte sur vous. Alors sinon, voilà, le dernier petit point que je voulais aborder avec vous en vidéo, je vais repasser en capture d'écran. Voilà, et là on est dans l'onglet communauté de la chaîne. Parce que donc là je tourne cette vidéo hein, dans la foulée, c'est-à-dire je la tourne, je vais la diffuser. Et demain on a prévu de faire un petit stream de jeu. Voilà, sur la chaîne de l'ami Biggie, hein. Là on est dans l'onglet communauté de la chaîne. Je vous ai mis un sondage. Voilà, parce que l'autre jour c'est hein, un petit dimanche après-midi, on avait fait un petit stream comme ça sur la chaîne à Biggie. Alors si ma connexion internet le permet, parce qu'actuellement c'est pareil, c'est ma connexion internet, c'est comme les abonnés YouTube, hein. c'est en dents de scie, c'est en dos de chameau, c'est n'importe quoi. Donc, considérant que ma connexion demain après-midi bah, sera, on va dire, normale, à peu près normale. Et eh ben on a prévu un petit stream de jeu, bah comme on a fait l'autre jour avec Alien versus Predator. Et là, on vous a fait un choix de 5 jeux. Shock Trooper, Scadian, Dinosaur, 3 Wonders, enfin celui Wonder, Prehistoric Ace 2 et Street Fighter 2. Voilà. Et eh ben allez dans l'onglet communauté de la chaîne et votez pour le jeu bah pour que vous voulez qu'on joue. Et si demain tout se passe bien, alors je sais pas l'heure, hein, peut-être... c'est pas 4h heure française, peut-être 4h, 5h, je sais pas. Voilà, donc surveillez la chaîne à Biggie. Demain, voilà, on va faire un petit stream sur le jeu que vous aurez choisi dans l'onglet communauté de la chaîne. Voilà, les gars, c'est tout pour cette petite vidéo rapide, blabla. Et il y a un d'entre vous qui m'a demandé récemment, j'ai oublié parce qu'il y a tellement de com, je sors pas mal de vidéos, il y a tellement de com et tout. Il m'a dit, ah, DGJ, que ça serait bien que tu nous fasses une petite vidéo un peu coulisse. Voilà, quel logiciel tu utilises avec le nouveau PC, le montage de vidéos, etc. Donc, j'ai prévu pour la vidéo des 7000 abonnés, bah, du coup, de vous faire une vidéo spéciale où je vais monter une vidéo devant vous. Voilà, devant vous, je vais préparer une petite vidéo, je prends un gameplay, un test, une review, je sais pas. Et tout préparer, et puis du coup, après, allumer le Adobe Premiere, passer en capture écran comme je suis en train de faire là. Et puis voilà, puis vous montrer aussi le logiciel que j'utilise, tout ça. Enfin, voilà, ça peut être intéressant. Une petite vidéo un peu coulisse, hein, pour les 7000 abonnés.
ça serait cool. Bon, voilà, les gars. Bah, on compte sur votre aide, sur votre soutien. Et puis, exprimez-vous en commentaire. Et n'oubliez pas que tout ceci n'est qu'un jeu.